Super. Alors, dans la vidéo, ça nous va voir deux, trois stratégies qu'on doit utiliser pour espionner concurrents yo et qu'on est qui ça a réglé sous boutique yo. Pendant que MDK dit comme extension ça toujours présent, n'a profité de yo pour nous joindre MDK dit produit pour nous vendre dans boutique nous, OK? Première stratégie que nous va utiliser, nous va aller sur Google, n'a taper soit niche qu'on intéressé avec là, soit keyword qui gien rapport à niche là ou bien mot clé qui gien rapport à niche là et après n'a fait espace myshopify.com et n'a tombé sur une liste de boutiques Ndegadi qui correspond avec recherche qu'on fait et nous allons utiliser excuse-moi Shopify Inspector pour nous espionner boutique. Dans la deuxième stratégie, on a utilisé même formule là et on a utilisé l'autre comme extension qui relie Shopify Inspector aussi qui permet tout Ndegadi voler produit bon voler produit c'est dit prend produit qui dans boutique concurrent yo ou même pour utiliser souvle c'est ça maintenant. Dans troisième stratégie nous va aller sur l'autre site qui est le comafit.com, nous va installer plutôt des boutiques que nous vraiment intéressés ensemble avec des concurrents pour nous vraiment connait qui ça a réglé sur boutique yo pour nous joindre toute information ça pour nous même nous mise à mettre à jour nous t'a dit boutique non stratégie marketing que n'a pas employé nous t'a dit dans business nous, OK. Donc, on nous fait ça là, Kounia. Alors, premier mot-clé, j'en ai noté dans le slide là. Premier mot-clé, nous prend golf. Mais comment nous allons sur Google, OK? Nous fait Google espace myshopify.com. Là, nous avons une liste de boutiques qui construit ou bien qui bâtit ou bien qui créé sous plateforme Shopify là. Et nous avons comme si racine boutique yo là, myshopify.com. myshopify.com et je ça me dit nous. Donc là on prend deux boutiques par stratégie. On prend première boutique, on prend deuxième boutique. Donc première boutique là on est arrivé sous lui là qui c'est Golf Gear Box. Nous aller là extension qui est installée mes amis, si vous voulez m'a mettre lien extension pour nous dans fin masterclass pour nous utiliser et installer sous propre ordinateur pas nous. Shopify Inspector. N'a prend première parce que première ça permet tout faire. N'a cliquer sur lui. Première permet tout exporter produit sur on t'a dit sur un tableur ou bien un tableau en CSV qu'on a converti en Excel après souvelé. Est-ce que ça me dit là? Lui permet tout par exemple exporter seulement en collection soit intéressant en collection bien précis. Et lui permet aussi qu'on mette m'a dit boutique là en favori pour qu'on continue m'a dit espionner boutique là souvelé. Option collection, il faut que payer pour lui. Donc, c'est à peu près 9 euros. Bon, c'est pas la peine pour faire ça. Vous avez besoin de payer pour lui. Vous avez besoin d'utiliser l'option gratuite là, qui c'est exporter produit. Donc, là, cliquez sur lui. Lui ouvre une autre page. OK. Et libre la liste produit qui vient sous boutique là. Ou bien URL ou bien adresse lien boutique là en l'air là. OK. Et là ou gen m t'a dit produit qui dans boutique là. L'autre bail qu'on a remarqué par exemple ou gen doit wè ou gen export search, c'est un bouton qui permet tout m t'a dit ou faire recherche ici là par exemple, sous cherche un produit bien précis, l'offre une résultat ou dit exporter m t'a dit résultat qu'on cherche là en dans boutique là. Le moins doit exporter soit sélectionner, il doit cliquer là par exemple pour sélectionner tout le monde. Là par exemple dit tout on a dit tout produit là on sélectionne deux trois produits qui vraiment intéressant et on dit exporter produit ça exporter là il dit prend produit ça le mettre sur son tableur pour même ou qu'à l'inspecteur ouais sous jeune soit AliExpress comment il a marché et vérifier ensemble ou bien il doit dire exporter tout produit qui est dans boutique là par exemple dans boutique mon ça gain 111 produits et ça me dit nous là ou gain lien qui vaut en dans boutique là directement là par exemple ou gain on t'a dit détail produit hein, OK. Et là, par exemple, vous devez faire recherche sur, directement avec bouton ça, soit AliExpress, pour voir si produit en ligne, soit AliExpress. On clique sur le bouton ça, là-bas. OK? Donc, pendant que la fait recherche, on tourne sur ça. Nous allons cliquer sur Product Details pour nous voir ça. Et voilà, nous avons une page qui paraît, qui va nous texte que vous employez dans la description produit. OK? Là, nous avons le link to the store, si vous voulez encore aller sur le store là. Et l'autre, nous avons 10 boutons qui permettent d'aller faire recherche sur AliExpress là. Ou bien, toute information qu'on a besoin de sur boutique là, sur produit spécifique là, qu'on clique sur le lien là. Est-ce que ça me dit non? C'est un comme extension qui est super, super, super. Si vous avez besoin d'espionner, nous avons dit concurrent ou yo. Après, libo tag. Tag, c'est des mots que ou lié à un produit pour les comme si un client vient sous boutique ou et que pas vraiment compte non produit, mais blier non produit ou bien l'ité vient sous boutique déjà blier, ça le cherché pour le taper n'importe, c'est-à-dire taper un mot qu'on rentre comme tag
qui me dit lié avec produit et eh bien produit apparaît dans résultat client. OK, c'est super important de pour nous taguer produit nous sur Shopify. OK, donc voilà, donc c'est un super super comme extension qui est très bien. Bon, là pour l'instant le pack à joindre des cas dit produit en soit AliExpress, bon c'est pas grave hein. On verra ça une autre fois peut-être. Ah, 2 secondes, laisse-moi voir. Ok, il n'y a pas de produit sur AliExpress. Ouais, ça le fait. Il tape et non produit directement de manière automatique sur AliExpress. Là, il n'y a pas aucun résultat pour lui. Peut-être que produit pas sur AliExpress. Peut-être aussi le doit sur AliExpress. Le fait que mon a changé nom, eh bien, ça anti-genre fait que ou pas qu'à jeûner directement sur AliExpress. Pas oublier que sur AliExpress. Pas oublier que moi, dis-nous sur AliExpress, n'est pas vraiment entré non produit. Son paquet de mots-clés qui ont rentré comme ça, pour les moun chercher sur AliExpress pour que un produit pas avoir capable d'être dans le résultat que. Client cherché, ok, super. Donc là, nous finissons avec première stratégie ça. Donc ça c'est première stratégie. Hein? Donc là, nous allons.